Bonjour à tous, bienvenue. Bon, j'ai du nouveau test du SCA 80 Pro avec une Hilux X640 en 4S. Bon, allez, c'est parti. Bon, l'eau est un peu sale. Il y a un courant qui est bas. Ah, t'es abonné à un jaune. J'ai de l'eau, vous voyez? Ouais. Bon, fais comme ça. Bon, peut-être avec cette hélice, j'atteins plus vite la vitesse de pointe, on dirait. Hein. Là, après, je vais essayer l'hélice d'origine. Voilà les amis, ça c'était avec l'hélice X-Onctura 640. Maintenant je vais remettre son hélice d'origine et on va voir la différence. Bon, j'ai 11 degrés de timing, hein. 11 degrés de timing, toujours en 4S. Hein. Ok. Voilà, hein. Batterie de 4S. Hein. 14,8. Hein. Bon, je vais faire le montage de l'hélice d'origine et on va voir la différence. J'ai remis l'hélice d'origine 40 mm, pas de 1,4. L'Octura, c'était un 40 mm avec un pas de 1,6. Alors on va voir la différence.
a banane à faire tourne le bateau. C'est pas c'est prêt. D'origine, c'est allé, il s'appuie vite. Hein. Elle a fait des abeilles. Elle a fait des abeilles qui prennent le bateau. Soit c'est le courant de son affaire, ça c'est le courant. Bon, moi je pense qu'avec l'hélice d'origine, on correspond mieux à ce bateau. Hein. C'est bien aussi, hein. Non, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est bien aussi, mais on dirait que le d'origine, c'est... Les accélérations sont meilleures. L'hélice d'origine. Voilà. Toujours en 4S. Hein. Toujours le 4S. Toujours le même combo. Voilà. Bon, prochainement, on va le regarder avec un hélice. Soit un peu plus gros, soit en 42. Ouais, je pense qu'un 42 sera bon. 42 sera bon avec un très fort pas, voire un pas de 1,9. Voilà les amis. Je vous dis à la prochaine. Une autre vidéo.